Oui, tu veux venir? Non. Regarde, je rentre dedans. Ah, parce que tu veux te coucher dedans? Ouais. Toi, tu rentres pas dedans, hein? Bah, bien sûr que non. Mais si. Bien sûr que non. T'as tes pieds qui sortent, là. Bah non, regarde. Je rentre. Ouais, mais c'est juste, hein. On va pas parler avec elle, hein. Il m'a bien formé, hein. Voilà. Je vais commencer à découper. Pour moi, normalement, c'est symétrique. J'ai fini de découper, je le trouve bizarre un peu. En gros, ça donne ça. Genre là, si je me mets devant. Je sais pas si j'aime bien. En vrai, je vais partir sur ça. De loin, ça va, mais de près, je le trouve un peu bizarre. Bref, de toute façon, j'ai plus le temps. Du coup, je vais partir sur ça. Je vais donc utiliser celui que j'ai déjà fait pour faire l'autre. L'utiliser comme... comment on appelle ça? Un modèle. Et après, on passe à la peinture. Je suis grave content. J'espère que ça va bien rendre. Si il ressemble comme je l'imagine, il est incroyable. Du coup, ça y est, j'ai fait mes deux faces. Je vais passer maintenant à la peinture. J'avais acheté quand je faisais la pièce encore. Je sais pas si vous avez vu. C'est le bordel. J'ai fait la pièce, mais ça y est, ma mère, elle s'est dit, vas-y. Elle prend nouveau la pièce pour un entrepôt. C'est de la peinture en bombe que j'avais acheté justement quand je refaisais la pièce. Parce que pour le meuble, vous savez, qui tient la plante. Et finalement, je l'avais pas utilisé. Je vais protéger le sol. Et c'est parti. Oh putain, incroyable! Est-ce que j'en aurai assez? Ça fait 2 mètres carrés. Ça, c'est l'arrière. Du coup, je me dis, s'il n'y a pas de peinture, c'est pas grave. Devinez quoi, je n'ai pas cette peinture. J'ai que fait la moitié et j'en ai deux. Et j'ai encore les côtés à faire. Il a duré 2 secondes la bombe. C'est 2 mètres carrés, mais c'est rien du tout. Il a ça. S'il y a spray, noir, râle, brillant. Mais par contre, j'en ai pas beaucoup non plus. Oh. Je vais devoir aller au magasin, j'ai que ça à faire. Je suis déjà en retard de fou. Alerte, alerte rouge, alerte rouge. Je vais voir si j'ai de la peinture. De la peinture pour dessiner quoi. Enfin, pour faire de la peinture. Je suis con quoi. Sinon, au cas où là, il est 17h30. Ça fait 18h45. Du coup, je pourrais encore aller, mais bon, flemme. T'as de la peinture noire, papa? Il t'en faut beaucoup. Quand même, peut-être, ouais. Pour peindre tout ça? Oui. Ah non, comme ça, ça n'ira pas. Du coup là je suis au bricomarché. Je pense que je vais prendre 1 litre, ça va me suffire. Et je vais prendre le bas de gamme. Je suis à la bourre. Il est 16h30. J'ai ma peinture, j'ai pris 1 litre, normalement ça me suffit. Par contre 20 euros, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait trop de peine, mais putain, maintenant moi j'ai commencé le truc, je veux le finir. Imagine toute la merde à la fin. Non, c'est pas envisageable. À bientôt, je rentre, je peins et on se retrouve après. Ça donne ça. Mais en vrai, je sais pas pourquoi il y a des traces. Je vais repasser une dernière couche après. Et Aglaé est venue m'aider. Heureusement qu'elle est là. Parce que sinon, je vais jamais finir de ma vie. Et là, même, j'ai peur de pas finir. Je suis stressé. J'ai peint les deux faces. Du coup, maintenant, je vais devoir les assembler. Je vais couper les cartons, là. J'ai fait mon premier ballon. J'ai mis les supports là, je suis en train d'accrocher le côté. Et en vrai ça va, ça tient. Et même quand on mettra la deuxième face, ça ira. Du coup il y a Lola qui nous a rejoint. Il y a Jules après qui vient avec nous. Et Aglaé est en train de faire les pancartes là. T'écris quoi du coup? Je sais pas, je fais ça. Keep out. Il reste 2 heures. C'est chaud. Quoi, le boîtier va pas aller? Il y a un décalage. Ah, c'est pour qu'il puisse respirer dedans? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. C'était pas prévu. Mais non, regarde. Non, c'est mort. Ça va marcher. Mais c'est parce que faut coller en même temps. C'était pas droit. T'as vu comme c'est large et épais? Mais pour rentrer dedans, tu rentres par où? Bah, il y a la porte, on va faire comme ça. T'arriveras pas. Moi, ce que je ferais, je le laisserais comme ça, ce truc. Je le peindrais. Ça se dit, ça? Ouais. Hein? C'est français. Et je le poserais contre le... Ah oui, oui, c'est vrai. C'est fini. Tu veux faire un truc, ça va être une usine à gaz. Tu le peins et mais... après tu le scotches au mur comme ça. Écrit personne vomit. Le premier qui vomit interdit. Vomit interdit. Le dernier guest nous a rejoint. Julia Aglaé essaie de faire le cadavre. Ça risque d'être compliqué en vrai. Mais bon, on va essayer. On a le risque ici. Regardez le cadavre. Il est incroyable. Il est fou. Mais la tête, elle est incroyable, vraiment. Ça fait tout le personnage, je trouve. J'ai trop hâte de voir la fin. Ça m'angoisse carrément, après.
Mon pote Jérém. Mais c'est trop bien. On entre dans les derniers détails. En gros, j'ai acheté à Cultura des trucs en polystyrène. Putain, arrête Jules. On a fait les mains sur le miroir, ça part plus. Sur les glaçons, elles se finissent. Hop. Génial. Oh, c'est génial. Et qui a fait cette technique de merde encore? Oh là 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 là. Oh non, oh. C'est passé. C'est vrai? Oh, mais c'était sûr. Et ça part. Mais je pense que si on colle l'autre face, ça va solidifier. C'est quoi? Je te fais un plan là. Oh. Mets-le contre le mur. Il y a de la... Attention, partez. C'est chaud là. Ça part avec une gratouille. Je zoome. Vas-y, lève. Lève. Mais il passe même pas debout. Mais si, regarde. C'est bon, merci. Oh merde, on va pas le tête de... Ah, ouais. Oui, c'est... Ah, il est beau gosse, hein. Vous en pensez quoi? Il est bien... La forme, en tout cas, elle est... Validé. Ça manque de détails dessus, mais... Ouais, non, mais on va... Mais fais une croix au Tipex. On va mettre une croix. Je coupe la radio... l'enregistrement. Ah, vas-y. Je fais un petit room tour, voilà. Waouh, ça... Double steakhouse, let's go. Ah, on est d'accord. Next job. Frites. Crispy onion. Si, green iced tea, c'est incroyable. C'est bien comme ça. Et ajouter au panier. Oh merde, faut que je paye. Oh non. Allô, montez en haut. Il y a déjà des gens, on est pas prêts. Ça va? T'as déjà mis des lentilles ou pas? J'en ai jamais mis. Une fois dans ma vie. J'ai peur. J'arriverai jamais. T'as une giga note ici. C'est une liste de course. Et moi, il y a ça. Il y a des tutos. Ouais, Nicolas. Ça dit quoi? Ça va. Allô. Vous savez comment mettre des lentilles, Maxime? T'en mets? Je vais t'en mettre. Allez. Vas-y, tu peux m'expliquer comment on les met, s'il te plaît. J'étais prêt là. J'ai lavé mes mains. T'as fait se laver. Oh, mais c'est enfumé. Il faut pas monter les yeux comme ça. Si, je crois, et après tu... Moi j'ai une technique. Tu viens, tu vois, t'es comme ça. Regarde, Tom. Tu ouvres les deux, et ensuite tu mets ton œil vers en haut, et tu la mets dans le blanc, et après elle se passe toute seule. Putain. Oh, l'angoisse. Moi je suis pas gaucher, moi. Non, mais là tu le reposes sur l'autre dos. Faut que ça soit comme ça. Mais sur ta main droite, si t'es droitier. T'es droitier ou gaucher? Gaucher. T'es gaucher? T'es droitier. Non, droitier. Je perds mes mains. Pendant, ça m'angoisse. Non, ça va. Ah, mais bon? Ouais, c'est un visé, ouais. Bouge pas, l'œil en dessous. Arrête de cligner des yeux. Ouais, vas-y. Stop. Ah non, C'est trop dur. Je vais pleurer. Non, oh. Ah, ça fait mal. Non, mais c'est pas agréable. Oui, tu sens que t'as... C'est grave, par contre. Je mets pas les deux. Tu regardes vers en haut. Tu comme ça, pas, je peux pas t'en sortir avec les deux mains. Avec les deux mains, c'est pratique. Là, tu fais entre l'œil. J'ai le droit, faut que je cligne un peu. Non, faut pas, je te... Je cligne. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil. Bah, oui, c'est vrai. Ça va le faire. Si tu pleures, plus en fait, quand tu clignes, tu me l'appuies à chaque fois. T'en mets qu'une? Ouais. Oh, beau gosse. Attends, bouge pas. Je suis dans l'œil. Oh, toi? Elle y est? Yes! Très bien, ça fait mal, wesh. C'est grave désagréable. Ah, c'est bon, mec, je te jure, elle était pliante. Elle me dirait un œillet pour les cours. Ah ouais, j'avoue. C'est pas du tout agréable. J'ai envie de cligner. Me cligne. Ah, mais tout le temps. Là, c'est bon, je peux cligner. Ah, comme j'aime pas. Vas-y, on essaye la deuxième. Moi, la première fois, j'ai mis une demi-heure à mettre. J'avais les yeux rouges. Ah, oh, t'es un ouf. Hein. Moi, déjà une. Vas-y. Putain, ça fait 13 minutes on essaye de mettre des lentilles. La première, tu l'as fait seule ou c'est Maxime qui l'a mis? Je suis trop nul, moi. Je l'ai mis de foutu le dos dans le cul. Je vais rentrer. Et je croyais que tu mettais la mienne. Oh putain, je l'ai mis pas. Non, je sais pas, attends. Oh. Vous pensez quoi? On fait un vote. Moi, je te dis, tu vas mettre une de l'autre. Une de l'autre? Bah ouais, je suis d'accord. Moi, je mets l'autre blanche. Vas-y. Et quand tu l'ouvres, c'est pire que quand tu l'ouvres pas. Ah, elle est ouverte, ouais. Oui, là, c'est bien, mais tu proposes pas. Allez, on ouvre. Maxime, j'ai besoin de tourner. Oh! Il a réussi. C'est vrai? Ouais. Aglé, il est horrible, tiens. Ouais. Ah. Mais j'ai l'impression que tu vois pas bien avec ton lentille. T'as pas l'impression que ça te réduit la vision? Oui. Ah ouais? Je vois plus. Donc la base middle locker, je fais peur, je suis plus respectable que d'habitude ou pas? Salut!
Let's go, j'ai gagné. C'est bon, elle a rien, ta plante. C'est même pas une vraie plante. Je comprends, ta mère. Vraiment ça c'est éclaté, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Bye. Du coup je vlog un peu, j'ai trop galéré à mettre les cordes. Et là comme vous voyez en fait j'ai mis du latex pour que ça colle. Parce que en fait sur le truc il n'y avait pas de mode d'emploi. Du coup j'ai décidé de mettre du latex, faut que je mette encore du faux sang. Mais je suis content, ça colle enfin. J'ai mis une heure pour que ça colle. Ouais, faut que tu caches tout le latex hein. Putain, j'aurais plus de sourcils, j'en ai sur les sourcils. Je pense que ça va tomber bientôt. Je porte pas l'œil. Wow. T'es déguisé en quoi? En pub fiction avec des cheveux longs. Tu viens de jouer dans mon décolleté. Ça rapportera des vues. Je vais fouter. Ah non. Ah non. Ok. C'est Michael Dobson. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es dans une cape. Maxime dehors. Ma plante. Ceci n'est pas un exercice. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle ratifiée par le gouvernement des États-Unis. L'usage d'armes de classe 4 ou inférieure est autorisé pendant la purge. Toutes les autres armes sont interdites. Les membres du gouvernement de niveau 10 bénéficient d'une immunité totale pendant la purge et ne doivent pas être agressés. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. La police, les pompiers et les services d'urgence médicale seront indisponibles jusqu'à 7 heures demain matin, heure où la purge se terminera. Béni soit nos nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous. C'est d'enlever le ventil. C'est bon. Le premier, let's go. Je l'ai enlevé. C'est incroyable. Je revois normalement. C'est trop bien. Oh, du premier coup, mais. J'ai les yeux tellement rouges à cause des lentilles. Sur les petites cordes. Ah ouais. Vous savez, c'est la fin de la soirée. Il boit de l'eau. Si c'est dans le vlog, commentez si vous trouvez que mes yeux ils sont verts et ils sont beaux. Ouais, je suis la seule qui me tombe la plus fraîche. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 5 minutes tu parles, je comprends pas. Je dis que je suis ta copine la plus fraîche. Ouais, t'es vraiment la fille la plus belle que je connais. J'ai du latex sur les sourcils. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Et qui s'arrêtait là, j'avais aucun sourcil. Mais bon.